pas. C'est relou parce qu'il faut être précis pour pouvoir faire le puzzle à la fin. Oui, c'est plus un par principe qu'autre chose. Oui, non mais toi tu t'en fiches. Mais je parle pour les enfants. Des chocobons. Une paire de chocobons. C'est mauvais tout de suite. On se met immédiatement et sans modération vu qu'il n'y en a que deux. Une pyramide noire, c'est-à-dire exactement ça si je ne m'abuse. Exactement ça si je ne m'abuse. Pas mal du tout. Un chocolat noir, c'est pas chocolat noir. C'est bien bien noir. Le 6 c'est celui-ci. J'ai l'impression que... Oui, le 6 c'est celui-ci. Ça t'intéresse, peluche? On met que les pattes avant. Je crois que c'est ça le bruit qui... Alors, qu'avons-nous de beau? Bon, du rembourrage. Un crayon. Mais je pense qu'il y a quelque chose au bout. Ça a l'air trop trop beau par contre. Trop trop fragile aussi, mais ça, ça va aller direct dans mon... je vais dire direct dans mon pot à crayon, mais en fait, il y a un chat qui bouffe ce qui est dans mon pot à crayon. Donc je vais réfléchir. Ah, il est trop beau. Il est super bien fait. Très stylé. Crayon bien taillé en plus. J'ai une miniature là. Elle est parfaite. Je ne sais pas quelle image je prendrais exactement. Mais... Très très grosse journée aujourd'hui de travail. Et là je dois finir de monter le vlog que vous avez vu la semaine dernière. Parce que hier j'ai eu le mauvais goût de pas assez sauvegarder. Mon PC a crash et j'ai perdu tout le travail que j'avais fait. Alors pas mes rushs ni rien hein. Mais tout le travail que j'avais fait, et du coup entre la fatigue et le fait que je devais travailler beaucoup aujourd'hui, j'ai préféré juste ne pas poursuivre, donc je me suis arrêtée quand même à 22h30, sachant qu'il me restait pas mal de travail. Là j'ai quasiment fini, mais du coup ça m'a pris aussi du temps ce soir. Et donc aujourd'hui vous n'avez que les calendriers, mais j'espère que déjà ils vous ont plu. À demain! Nous sommes partis pour les calendriers de l'Avent. Petite case 7, un solitaire blanc. Ah, trop bien, j'aime trop le chocolat blanc. Hop, solitaire blanc. Et dedans, de mémoire, c'était du praliné. Praliné avec des éclats de noisettes, précisément. Trop bon. 7, c'est ça? 7, c'est ça, tout à fait. Et moi, c'est parti. Oh, c'est Noël aujourd'hui, je crois. C'est festin, ouais. Si vous aviez pas compris, Lauren adore les Kinder Surprise. C'est pour ça que je lui ai pris ce calendrier là, c'est celui qui en avait le plus. Hop. Ça commence à se vider petit à petit, ou plutôt à se remplir de rembourrage. Je le laisse pour être sûr que si le chat fait des trucs, ça s'affaisse pas en fait. Hop, le petit 7, il est là. Hop, on va s'inquiéter dessus. Le toucher, on dirait un petit peu un truc genre un échiquier ou quelque chose comme ça. Non, c'est plutôt un cadre, je pense. Alors, c'est un petit cadre trop joli avec écrit 9¾ Poudlard Express. Donc, c'est le cadre qu'on pourrait retrouver accroché sur la voie 9¾.
trop joli, il va aller directement avec mes petits cadres Pokémon. Alors la surprise, c'est la même que la dernière fois. Du coup elle va rejoindre son frère, je peux ? Alors pour ce calendrier, il y a mon thème. Et du coup je commence à y réfléchir. Donc on a eu la citrouille et ses friandises, donc normalement c'était attaché. J'ai reçu un hibou d'Aurora qui me disait que normalement c'était accroché ensemble et que ça s'était détaché et on pouvait s'en douter avec ça. Elle va m'envoyer une photo, je vais le recoller. On a eu le masque de Mangemort, oui il est dans la neige, voilà. On a eu le petit lit. On a eu les galets qu'on a mangés, évidemment je peux plus vous les montrer, les galets pour s'entraîner à Wingardium Leviosa. On a eu les coquilles d'œufs d'Okami qui sont trop jolies, je les aime trop. Ça, c'était du précédent swap, ça va ensemble. Enfin, ensemble. Tout est relatif, mais c'est sur une étagère haute où le chat va pas. Donc c'est ensemble. Et le dernier, c'est le crayon serpent qui est déjà dans mon pot à crayon et je surveille Peluche pour pas qu'elle le mange. Du coup, avec ce récap d'une semaine, qu'est-ce que ça pourrait être? Au début, je pensais pas mal quelque chose autour de Serpentard ou des ténèbres, etc. Avec le crayon, le masque, voilà. Mais on a quand même les friandises qui ont rien à voir. Il y a le baldaquin. Du coup, je me disais peut-être un film Harry Potter en particulier, mais le baldaquin serre d'aigle en plus, ça correspond pas à quelque chose en particulier dans ma tête. Puis il y a eu la voix 9¾ aujourd'hui. Du coup, Poudlard, ça me semble pas mal, parce que même le serpent, ça pourrait être Nagini, et du coup... On retrouve, enfin, il a été à la bataille de Poudlard et c'est là qu'il est mort. Hein. Oui, c'est un spoiler, mais bon. Si vous n'avez pas lu ou vu Harry Potter 7 maintenant, je peux plus grand chose pour vous. Du coup, ça pourrait être ça. Les friandises, ça pourrait marcher, même si on prend un truc plus style Poudlard Express, on a les friandises et la voix 9¾, mais à ce moment-là, le lit il marche plus vraiment parce que Poudlard Express ça marche pas vraiment. On n'a pas non plus de lien avec les Mangemorts. Si, ils ont enlevé Luna dans le Poudlard Express, à la rigueur. C'est un peu capillotracté, mais pourquoi pas. Les friandises, donc oui, ça marche bien. Le serpent, il marche plus. Le crayon serpent, il marche plus trop dans le thème. Pour le moment, je manque un petit peu d'inspiration, je vais pas vous mentir. Les Mangemorts, on les revoit avec leur masque, surtout comme ça, à partir du 5. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans Harry Potter 5? On voit pas mal les baldaquins parce qu'il se réveille et tout. Enfin, il fait les rêves, quoi. Avec Voldemort, quand Voldemort sait pas encore que Harry partage la connexion, tout ça, tout ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Enfin, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas vraiment d'idées arrêtées de trucs où je me dis ça penche plutôt vers ça ou ça. Donc, bon. Après, le thème, la dernière fois, c'était une serre d'aigle en voyage, donc ça peut être un petit peu... Ça peut être un petit peu compliqué. Voilà. Sinon, cet après-midi, je vais vous emmener parce que je vais faire quelques courses de Noël, donc récupérer, en fait, essentiellement des choses que j'ai commandées dans des boutiques. Il faut que j'essaie de trouver un cadeau pour Lorane. Et la bonne nouvelle, c'est que comme il regarde pas mes vlogs, vu qu'il les vit, il trouve pas ça très intéressant et je le comprends très bien. Du coup, je pourrais vous montrer. Bon, après, je garantis pas de trouver, hein. C'est pas gagné encore. De course, je vous propose un mini haul. Mini parce qu'il n'y a pas grand chose, mais haul quand même. Alors, nous avons un insert à bûche parce que j'avais déjà la bûche. L'année dernière, j'avais fait une bûche roulée. Je dois avoir quelques photos, je vous mets des photos à l'écran. Cette année, on part sur quelque chose de totalement différent, mais je garde mon moule à bûche évidemment. Et cette fois, j'ai besoin de faire un insert, donc j'ai pris le moule à insert qui va avec. En fait, je vais upgrade tous les ans. J'ai hésité, il y a aussi un moule pour faire le croustillant qui va dessous. Cette année, je vais encore le découper un peu à l'arrache et l'année prochaine, j'investirai, donc c'est un truc par année. Ensuite, le cadeau de Noël d'une de mes petites sœurs. Donc, on lui a pris des douilles. On a pris 12 douilles en inox, donc vous voyez, un petit peu varié et tout. On a du rond, on a du moins rond, on a des petits trucs. Voilà. Très
très sympa, très sympa. Et évidemment, on a les poches qui vont avec les douilles. Bah oui, sinon ça sert à rien. Et en petit complément, alors ce sera probablement de la part de mes parents, comme ma soeur joue du violon, on a trouvé ce petit emporte-pièce. Enfin, j'ai trouvé en boutique, c'était pas prévu, mais je l'ai vu, je l'ai trouvé trop joli. Il est pas trop grand, mais il est pas trop petit non plus. Enfin, faire un biscuit de cette taille-là, ça va, ça fait un vrai biscuit, mais c'est pas non plus le biscuit qui fait le dessert. Et donc c'est assez sympa. Du coup, voilà pour ma soeur. Et enfin, le dernier truc, c'est deux bouteilles de sirop menthe verte de chez Monin. Laurent les adore, donc j'en ai pris deux bouteilles parce que en fait c'est un sirop qui est fait en France à côté de Bourges et il livre, on peut commander directement à l'usine, ce qui est un petit peu moins cher, la bouteille est moins chère sauf que les frais de port sont exorbitants, surtout pour deux bouteilles. Du coup plutôt que de commander chez eux, ben on prend chez un revendeur, alors français hein, aussi, mais la bouteille coûte plus cher, mais au final vu qu'il n'y a pas les frais de port ça revient moins cher. Mais il y avait déjà un promoteur, je sais pas. Il attend, il est prêt. Je sais pas ce qu'elle attend, mais elle l'attend. Si j'allume l'eau, ça se passe mal là. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai énormément travaillé, donc j'ai à peu près rien du tout à vous montrer, à part les calendriers de l'Avent, et puis après on se retrouvera demain. Je sais pas si j'aurai des choses plus intéressantes, mais j'aurai au moins toujours les calendriers de l'Avent. Du coup, on est parti. Hop, la case 8 du calendrier Harry Potter. Alors, déjà, il y a le 6 qui tape l'incruste. C'est tout doux. Oh, il est trop beau. C'est le monstrueux livre des monstres. C'est une boîte, en fait, j'ai l'impression, non? Ça a été une boîte, mais c'en est plus une. Je vais pas tirer, je vais demander... C'est même écrit monstrueux livre des monstres. Je vais pas tirer, je demanderai à Aurora ce qu'elle en pense. Ouais, elle est super bien faite. Tu vois, je me vois bien mettre ça dans l'étagère, et quand tu le sors, t'as le monstrueux livre des monstres, avec ses petites dents et tout. Non, c'est vraiment super bien fait, il est trop trop beau. Il est tout doux en plus. Hop, calendrier suivant. Un cœur noir. Bah, c'est bien, on avait eu le blanc et le lait, si je ne m'abuse. Je sais plus où ils sont, mais... Ah non, c'est le deuxième cœur noir. Ils sont côte à côte. Mais bon, ça me va bien, j'adore ça. Deux petits chocobons. Donc je vais les manger maintenant, mais ils sont là. Le chat aussi est là. Allez, on est parti pour les cases 9. Un cœur lait. Ah bah c'est bien, on avait eu cœur noir hier, mais cœur lait, il me semble qu'on avait déjà eu. Ouais, le 5. 4, 5, 8, 9. Est-ce qu'on a fait une boucle et on a les mêmes? Ce serait un peu dommage qu'ils nous les remettent dans le même ordre. Allez, le 9 on l'avait vu quand je cherchais le 6 parce que j'avais un doute. Mais comme c'est bien accroché par le haut, je suis sûre de ne pas m'être trompée entre 6 et 9. Maintenant il faut le retrouver. 23. 17. Ça c'était le 6 et là on a le 9.
Oh, ça, c'est des bougies qui volent. Donc ça, on les accroche et ça fait des bougies qui volent. C'est trop bien. Bon, évidemment, il y a une pile et tout, et donc ça peut s'allumer. Hein. C'est trop trop bien. Je sais pas trop où je vais les mettre, mais c'est trop bien. Puis ça sert dans plein de déco, ça. Puis ça fait Noël. Non, vraiment trop bien. Vite ici, on a l'impression que la case elle est vide. Non, non, elle est pas vide, je vous rassure. Et il y a toujours des chats. Enfin, un chat, s'il n'y en a qu'un. Hop, ce soir c'est montage, petit chat et meilleur pupitissier. Donc là, je commence le montage. Bon, je viens juste de mettre mon intro. Hein. Vous allez voir, voilà, vlog 2 sur 4. Si vous êtes en train de regarder. Donc là, je commence le montage ce soir parce que ça fait trop de travail de tout faire le week-end d'un coup, donc je m'avance. Le chat est intéressé. Et du coup, bah là, je vais devoir vous laisser parce que sinon, je peux pas monter ce que vous êtes en train de voir. Enfin, il y a un problème à un moment. Ça fait quelques jours là qu'elle passe sa vie peluche à monter sur nous et à se poser et à être bien. Je suis son nouveau panier en fait, j'ai l'impression. Ma peluche, que de maman est ton nouveau panier. En tout cas, t'es bien là. Très pratique, hein. J'ai dû étendre le linge avec le chat comme ça. Ça fait faire du sport. Allez, le 10. C'est toi la moitié, hein. La moitié, c'est 12. Hop, mon 10. Un velours caramel lait. Ça, c'est pas le premier truc qu'on avait eu. Il me semble dans la case 1, c'était ça aussi. Alors, c'est parti pour le 10. On passe à deux chiffres. Quel calendrier de l'avent sans elle. Et voilà pourquoi j'ai laissé le rembourrage. Oh, ça brille. Je sais pas si vous voyez, ça brille. Très jolie tortue toute brillante. Mais je vois pas du tout ce que ça. Je vois pas du tout le lien avec Harry Potter. Enfin si, le seul lien que je pourrais voir c'est dans Harry Potter 4 avec le lac. Ce soit une tortue marine. Je pense que c'est plutôt avec les joyaux qu'il faut voir quelque chose. Je sais pas. Et ça m'aide tellement pas pour le thème général, là j'ai aucune idée. C'est encore un doublon. Pas que ce soit très gênant, hein, mais c'est... je suis intriguée. Ouais, Arc de Triomphe, on l'avait déjà eu. Je sais plus. Là. Le 3. Une toujours aussi galère. Toujours aussi joli aussi. Un petit chocobon.
Oui, mais un, ils sont à l'envers, je sais, c'est parce que le médaillon, il est tourné. Mais c'est pas grave. La magie, c'est à l'endroit. Ah, trop bien. C'est un ticket pour Poudlard. Et là, on retombe un peu sur un thème Poudlard. Hein. 9 3 quarts, One Way Travel, tout ça, tout ça. Ouais. Il est pas mal du tout. Plastifié et tout. Faudra que je le réaplatisse, je vais le mettre sous un livre, un truc comme ça. Mais il est chouette. C'est un peu le déménagement, on part chez mes parents juste 48 heures. Mais en fait, on emmène une partie des cadeaux de Noël et puis. Dès que je pars avec mon violoncelle, les affaires du chat, ça fait tout de suite des déménagements là. Et encore les affaires du chat, ils ont pas mal de choses. Il y a une litière, il y a les croquettes, enfin il y a vraiment que le panier et les jouets à amener. Et le chat. On est bien arrivé, on va installer le chat. On a pris le chat. On n'était pas obligé, hein. Pour aussi peu de temps, on aurait pu tout à fait la laisser. Mais une heure de voiture, ça lui fait pas peur. Elle a vaguement miaulé un tout petit peu 10 minutes avant qu'on arrive. Mais elle est mieux avec nous que toute seule, malgré le prix du trajet. Non. Thank you.
plaques de chocolat à la poche à chaque fois. Maintenant, on va voir si c'est bon. C'est décongelé. Ça l'habille un peu. On va rajouter une petite scie. Et puis, mais les plaques de chocolat devant et derrière, oui. ça changera tout. Mais c'est pas si mal. Moi, je le trouve très joli. C'est pas si mal. Ça sera mieux la prochaine fois. C'est un peu copié pour car. Je prends la table. Ouais, parce que c'est la plus grande, parce que sinon il n'y a pas de biscuits en fait, je pense. Parce qu'il était un peu court. Vous savez, ça me dérangeait pas. Ben, moi ça me dérangeait. Le croustillon est peut-être un peu épais. Vous congelez les deux. Les deux. Parce que j'ai pas assez de biscuits. Oui, c'est ça. Comme ça. C'est pas si moche. La couche est plutôt jolie. On est le 12, c'est ça? Je crois. Je me souviens plus quand, mais le 12 n'est pas déballé et le 11 a été déballé. Donc c'est que ça doit être ça. Évidemment, c'est toujours très bien rembourré. Je dirais même très très bien rembourré. Et non, ce n'est pas un cadre, je pense, finalement. Alors. Ouh là là. Ça m'a l'air tout fragile. C'est adorable. Donc on a la petite plume pour écrire, le petit pot d'encre, les petits parchemins. Et c'est un plumier en fait, littéralement. Mais un plumier magique. Trop joli. Merci Aurora. Nous disions 12. Je le vois. C'est vrai qu'hier, avant de partir, on a eu du temps. Ouais. C'est festin ce soir. Ah ouais? Et la question, la vraie question. Est-ce que tu vas avoir une troisième fois le même truc moche dedans? Enfin, je dis ce soir, mais en vrai, on a déjà trop mangé, donc je mangerai sans doute demain. Ok, ben on saura demain. Donc, la semaine prochaine pour vous, moi, si on a une troisième fois, le morceau moche. C'est bien, ce sera un par semaine. On le verra toutes les semaines comme ça. Allez, à moi d'avoir le 12. Une pyramide noire. On continue avec des trucs qu'on a déjà eu, dites-moi. La pyramide noire, elle était ici, je crois. Pour l'instant, on est sur du full doublon. C'est un peu dommage. Et coucou, nous sommes dimanche soir. Je vous retrouve enfin pour vous parler. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quand même les dernières images que vous avez vues. Donc, on est allé hier matin chez mes parents en voiture. Et donc, on a ouvert les calendriers de l'Avent avant de partir. Ensuite, l'après-midi, j'ai passé quasiment tout l'après-midi à cuisiner parce que... Quand on fera Noël chez ma belle famille, je vais faire la bûche de Noël. Et je ne fais pas ça sans faire un crash test. C'est-à-dire que la recette, je l'ai inventée. C'est-à-dire, j'ai dit, je veux une ganache montée à ça, un crémeux à ça, un gâteau moelleux au chocolat, un imbibage à ça, etc. Et après, j'ai cherché un peu sur internet des recettes. Je les ai légèrement modifiées en disant, là, je pense que ce sera pas assez moelleux, je vais rajouter un blanc d'œuf. Voilà, ce genre de choses. Et il fallait tester quand même à un moment. Et du coup, c'était l'objectif de ce week-end, parce que tester la bûche, je crois que c'est 8-10 parts, un truc comme ça, enfin c'est énorme. Pour nous deux, avec nous deux seulement, comme cobaye avec Quentin, c'était pas possible. Du coup, on a fait ça chez mes parents, donc je vous ai mis des images, en accéléré et pas tout, parce que voilà. Et on l'a dégusté et c'était très bon, ça aurait pu être la définitive, dans le sens où j'aurais pas eu trop honte de présenter ça, ça aurait été ok. Et là, du coup, je suis en train de commencer à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Alors, commencer, c'est pas vrai. Je suis en train, en réalité, de le finir plutôt. Il faut que je finisse de monter, que je fasse la miniature. Et que je poste. Je sais pas encore si vous voyez ça dimanche soir ou lundi. Mais là, du coup, j'étais à 16 minutes 45 de montage. Et là, j'avais jusqu'à jeudi soir donc. Puisque voilà, montageception, je vous montre que je suis en train de monter. Ouais, trop bien. C'est pas ce que je préfère faire, le montage. Très honnêtement, je préfère tourner que monter. Mais j'aime beaucoup le rendu en fait.
heureusement, on a fait les calendriers de l'Avent. Là, donc, il est 20h49. J'espérais l'avoir sorti à 21h30. C'est mort, on va essayer 22h. 22h30 max, sinon je le posterai demain, je pense. Et puis, souhaitez-moi bonne chance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous!